Bonjour à tous, pour poursuivre dans ce chapitre sur les espaces vectoriels, je vous propose une vidéo relativement courte ici, qui est basée sur la notion de famille libre et de famille liée. Alors, une définition, on appelle famille liée un ensemble E1, E2, EN, de vecteurs bien sûr, dans un espace vectoriel, dont un élément est une combinaison linéaire des autres. Autrement dit, il existe un réel K, appartenant à un n, donc un entier k, et une famille de réels lambda indice i avec i différents de k, non tous nuls, tels que e indice k égale lambda 1 e1 plus lambda 2 e2, etc. jusqu'à lambda n en. Donc en omettant évidemment e indice k, c'est-à-dire que e indice k s'écrit comme une combinaison linéaire des autres vecteurs de la famille citée. Alors évidemment, on va voir ce que ça peut impliquer, la définition contraire de cette notion de famille liée, qui sera une famille libre, et puis des exemples, bien entendu. Alors, exemple, je prends les trois matrices, 1, 0, 0, moins 1, 0, 0, 0, 1 et 1, 0, 0, 0. Eh bien, il se trouve que si je nomme M1, M2 et M3 ces matrices, je m'aperçois que M1 est égal à M3 moins M2. Donc on peut calculer M1 en effectuant une combinaison linéaire des deux autres matrices. Donc on a ce qui est conforme à la définition ici, en un peu moins compliqué puisqu'il y a moins de termes, et en affirmant que M3 est égal, M1 par exemple, excusez-moi, est égal à une fois M3 moins une fois M2. Donc c'est une combinaison linéaire de M1 et M2 avec les coefficients 1 et moins 1. Donc cette famille existe avec des coefficients non tous nuls, alors ici ils sont tous non nuls puisqu'ils valent 1 et moins 1, tel que un élément est une combinaison linéaire des deux autres. Deuxième exemple, je prends trois vecteurs, moins 1, 0, 1, moins 1 et 1, 2. Je m'aperçois que si je prends, allez, moins 3 fois U1, moins 2 fois U2, j'obtiens U3. Effectivement, en première coordonnée, je vais avoir 3 moins 2, 1. En deuxième coordonnée, 0 plus 2, 2. Donc U3 est une combinaison linéaire de U1 et U2. Alors, ce qui d'ailleurs est équivalent à dire que U1 sera combinaison linéaire de U2 et U3. Il suffit de réécrire l'égalité entre les trois vecteurs en changeant des éléments de place, tout bêtement. Troisième exemple, P1 égale 1, donc on parle de polynôme ici, P6 égale 1 moins x, P3 égale x carré, P7 égale x moins x carré. Donc ce sont des fonctions polynômes d'expression 1, 1 moins x, x carré, x moins x carré. Eh bien, pour tout x, si je prends P1 moins P6 plus P3, j'obtiens P7. Donc P7 est une combinaison linéaire de P1, P6 et P3 avec les coefficients 1, moins 1, 1. Alors attention toutefois, tout élément E indice I d'une famille liée n'est pas forcément une combinaison linéaire des autres. Dans les trois exemples que j'ai cités, un élément quelconque en fait, de la famille peut être combinaison linéaire des trois autres. Mais on peut avoir des familles liées qui sont partiellement liées. Par exemple, cette famille-là, U1, U2, U3, propose une liaison entre U1 et U2. Alors là c'est très simple, U2 vaut 2 fois U1. Par contre, U3 n'est pas impliqué dans la liaison. On ne peut pas combiner U1 et U2 pour obtenir U3. Voilà, donc ici, on n'a pas dit que pour tout K, les E indice K sont combinaisons linéaires des autres. D'accord ? C'est il existe K. D'accord ? Donc on peut trouver effectivement, pour K égale 2, U2 qui est une combinaison linéaire de U1. Et inversement, U1 est combinaison linéaire de U2. Mais pour K égale 3, on n'a pas de combinaison linéaire. Donc voilà pour ce concept de famille liée. Et on va avoir un théorème là-dessus, donc une proposition, plutôt ici, une propriété. Une famille E1, E2, EN est liée, est équivalent à il existe une famille de réels lambda i, non tous nuls, tels que lambda 1 e1 plus lambda 2 e2, etc. jusqu'à lambda 1 n en, égale vecteur nul. Alors, on pense que c'est à peu près équivalent à la définition, mais pas tout à fait. Donc, on a vraiment affaire à une proposition.
Effectivement, dans le sens de l'implication de gauche à droite, on se rend bien compte que si la famille est liée, et revenons à la définition, alors il existe K, donc il y a un des vecteurs EK, qui peut être écrit comme une combinaison linéaire des autres vecteurs, avec une famille de vecteurs non tous nuls. Et donc, si on dit que EK est égal à somme de lambda i, EI pour i différent de K, alors en ramenant le terme EK à droite, on aura somme de lambda i, EI avec lambda k égale moins 1 égale vecteur nul. Il suffit de ramener un terme vers la droite. D'accord? Donc il suffit de ramener EK ici dans le membre de droite, et j'ai une somme complète pour i égale 1 jusqu'à n, qui va donner à gauche le vecteur nul. Par contre, c'est l'implication de droite à gauche qui est peut-être moins évidente et qui n'est pas directement inclue dans la définition. Si il existe une famille lambda i de réels pour i compris entre 1 et n, non tous nuls, tels que cette somme-là est égale au vecteur nul, alors forcément, on a affaire à une famille liée. Donc ça, c'est un petit peu moins intuitif. Et donc, comment le voir, hein, donc voir cette partie de la démonstration dans le sens droite vers gauche. Et en fait, admettons qu'il existe une famille de lambda i non tous nuls telle que cette somme est égale au vecteur nul. Et appelons k le rang où lambda k est différent de 0. Puisqu'ils sont non tous nuls, il en existe au moins un qui n'est pas nul. Admettons que ça soit le terme lambda k. Donc, lambda k e puissance k va être égal, en ramenant tous les autres termes vers la droite, à moins lambda 1 e puissance e1, pardon, moins lambda 2 e2, etc., moins lambda n en. Et puisque lambda k est différent de 0, on peut tout diviser par lambda k, ce qui va nous donner ce qui apparaît ici. Ek est donc égal à la somme des moins lambda i sur lambda k, ei, avec i différent de k. Mais ça veut donc dire que ek est une combinaison linéaire des ei. Et donc que la famille des EI est liée. Alors, vous allez me dire, oui, mais si lambda k est le réel non nul, ok, mais peut-être que tous les autres sont nuls. Et à ce moment-là, EK est égal à la somme de 0 fois EI. Ce qui fait que EK n'est pas une combinaison linéaire des autres EI. Oui, mais à ce moment-là, si EK est égal à la somme de 0 EI, ça veut dire que EK est le vecteur nul. Or, bien entendu, et sous-entendu, depuis qu'on a abordé cette partie 3.4, le vecteur nul n'a rien à faire dans une famille pour nous faire démontrer si elle est liée ou libre. Bien entendu, une combinaison linéaire qui mène au vecteur nul va nous poser problème. Donc, par défaut, lorsqu'on cite une famille E1, E2, EN, on n'inclut pas le vecteur nul dans la famille. Donc, une famille de vecteurs tous non nuls. Voilà, donc il existe au moins un lambda i ici dans cette somme différent de lambda k et différent de 0. Et donc EK est égal à quelque chose qui n'est pas le vecteur nul. Donc on a bien une équivalence, et cette équivalence va s'avérer très utile pour vérifier si une famille est liée ou pas. C'est-à-dire que si on veut voir si une famille est libre ou liée, puisque libre sera évidemment le contraire de liée, il suffit de voir s'il existe une famille de lambda i non tous nuls telle que cette somme peut donner le vecteur nul, ou alors si postuler que cette somme donne le vecteur nul va impliquer forcément que tous les lambda i sont nuls. Auquel cas, on aura ce qu'on appelle par définition une famille libre. On appelle famille libre ou linéairement indépendante une famille non liée. Aucun de ces éléments n'est une combinaison linéaire des autres. Et encore une fois, donc pour le vérifier, on va invoquer justement cette particularité en créant une propriété supplémentaire, mais qui correspond à ce que je viens de vous dire. Une famille de n vecteurs est libre est équivalent à dire que somme de lambda i ei égale vecteur nul implique que le nuplet lambda 1 lambda n est le nuplet nul. Voilà, avec un exemple de famille libre. Ici, qui est la famille 1001, qui est clairement une famille libre. Alors, comment est-ce qu'on peut dire que c'est clairement une famille libre?
non pas par intuition, mais en se rapprochant de la propriété. Si je veux que lambda 1 i fois plus lambda 2 j soit égal au vecteur nul, alors fatalement, il faut que lambda 1 et lambda 2 soient nuls. Donc regardons ici, lambda 1 i plus lambda 2 j, c'est le vecteur lambda 1 et lambda 2. Et lambda 1 et lambda 2 est égal au vecteur nul si et seulement si lambda 1 est égal à 0 et lambda 2 est égal à 0. Et donc par implication, la famille ij est libre. Deuxième exemple, le vecteur u 1 2, le vecteur v moins 1 1. Là, il est moins évident, d'accord, c'est moins immédiat de voir qu'il s'agit d'une famille libre. Mais revenons-nous toujours à cette propriété. Alors, plutôt que de dire lambda 1 et lambda 2, je vais dire AB. Prenons deux réels AB et calculons AU plus BV. AU plus BV est le vecteur A moins B, 2A plus B. Si ce vecteur doit être égal au vecteur nul, A moins B, 2A plus B, ça nous donne un système dans lequel A moins B doit être égal à 0 et 2A plus B devrait être égal à 0. Vous résolvez ce système rapidement et vous allez trouver que la seule solution, c'est A égale 0, B égale 0. Donc, on est sur cette conclusion, et donc la famille UV est libre. Donc, c'est exactement ce mécanisme-là que vous devrez invoquer en exercice pour montrer qu'une famille est libre. Alors, bien entendu, si vous faites le même raisonnement, mais que vous aboutissez à un système qui vous montre que vos coefficients ne sont pas forcément tous nuls, vous pourrez en conclure, puisqu'on a une équivalence ici, que la famille est liée. D'accord? Donc on a le même raisonnement pour démontrer qu'une famille est libre ou pour démontrer qu'elle est liée. Cette famille de 4 matrices est libre. Même raisonnement, vous mettez 4 coefficients A, B, C, D et vous créez A fois M1 plus B fois M2 plus C fois M3 plus D fois M4. Cette somme doit être la matrice nulle et ça implique que A égale 0, B égale 0, C égale 0, D égale 0. Idem pour cette famille de trois polynômes. A fois 1 plus B fois x plus c x carré, A plus bx plus c x carré, est égal au polynôme nul, donc à la fonction nulle, si et seulement si A, B et C sont des coefficients tous nuls. Idem pour cette somme de trois polynômes, où là, il n'est pas évident, comme ça au premier coup d'œil, qu'on a affaire à une famille libre. Vous pourrez le vérifier également en mettant ça en équation. Idem pour une combinaison sinus x cosinus x, ce qui est moins évident à voir. Mais a sinus x plus b cosinus x ne peut pas être la fonction nulle, sauf si a et b sont deux coefficients nuls. Alors on peut invoquer les formules de Euler, on peut invoquer le fait de dériver cette fonction une fois, deux fois, pourquoi pas, on peut tenter hein, d'avoir des pistes. Et on pourra évidemment en reparler en exercice. Vous pourrez poser la question en commentaire. On pourra donner des pistes pour voir que la famille sinus x cosinus x est une famille libre. Idem pour la famille x e puissance x. Alors là, je peux vous donner une piste. Si vous prenez ax plus b e puissance x, imaginez par représentation graphique la fonction kx associe ax, donc c'est une fonction linéaire qui va se représenter graphiquement par une droite qui contient l'origine, et une fonction de type b e puissance x. Pourquoi pas e puissance x toute seule d'ailleurs. On imagine bien que ax et b e puissance x peuvent être égaux, ou leur somme peut être nulle, ce qui en gros est à peu près la même chose à un signe près, au maximum pour deux points. Hein, une droite peut croiser la courbe de l'exponentielle en deux points maximum. Donc ça sera vrai pour deux valeurs de x au maximum, mais pas pour tout x. Cette famille va être libre. Alors, une proposition encore ici. Si E1, E2, EN est une famille liée où EN est combinaison linéaire des autres éléments, alors l'espace engendré par E1, EN est égal à l'espace engendré par E1, EN moins 1. Alors encore, on a une égalité entre deux espaces engendrés. Donc on revient vraiment sur la notion d'espace engendré, ce qui n'était pas fait dans les diapos précédentes. Et on peut commencer à se poser la question, effectivement, est-ce que finalement, pour engendrer un espace, on a besoin de tous les vecteurs E1, EN, si toutefois EN est déjà une combinaison linéaire des précédents?
Alors, pour montrer que deux espaces sont égaux, on peut tenter de montrer que le premier est inclus dans le second et que le second est inclus dans le premier. Le second est inclus dans le premier, c'est une évidence. Si je prends un vecteur V qui est combinaison linéaire de E1, E2, En-1, alors il est forcément combinaison linéaire de E1, E2, En, avec les mêmes coefficients jusqu'à En-1, et en rajoutant un coefficient I0 devant En. Voilà. Donc une combinaison linéaire de ces vecteurs-là est forcément une combinaison linéaire de ceux-là. Donc si V appartient à cet espace, alors il appartient au premier. Donc le deuxième espace est inclus dans le premier. Il est moins immédiat, encore une fois, de voir que le premier espace est inclus dans le deuxième. Il a l'air plus gros, le premier espace, puisqu'il est engendré par plus de vecteurs. Mais en fait, si V appartient au premier espace, alors V est combinaison linéaire de E1, E2, En. Donc V égale lambda 1, E1, plus lambda 2, E2, plus, etc., jusqu'à lambda n, En. Or, En est lui-même combinaison linéaire des précédents. Donc En est déjà somme de mu1 E1 plus mu2 E2 plus etc. plus mun-1 En-1. Donc notre vecteur V est égal à lambda 1 plus mu1 E1 plus lambda 2 plus mu2 E2 etc. jusqu'à lambda n-1 plus mun-1 En-1. D'accord? En réécrivant En déjà comme combinaison linéaire. Donc V est une combinaison linéaire finalement des vecteurs E1 jusqu'à En-1, et donc V appartient à vect de E1, En-1. Conclusion, le premier ensemble est inclus dans le deuxième, et donc par double inclusion, les deux ensembles sont égaux. Alors voyons-le avec un exemple. J'affirme que R carré est égal à vect de 1, 0, 0, 1, 1, 1. Alors on sait déjà que R carré est égal à vect de 1, 0, 0, 1. Tout couple de réels est engendré par 1, 0, 0, 1, c'est-à-dire une combinaison linéaire de 1, 0, 0, 1. Effectivement, un couple AB, on le constate tout de suite, hein, est égal à A fois 1, 0 plus B fois 0, 1. Donc, le vecteur 1, 1 est superflu pour parler de R carré dans une combinaison avec 1, 0 et 0, 1. Il se trouve qu'effectivement, le vecteur 1, 1 est déjà somme de 1, 0 et 0, 1. D'accord? Donc, si je prends un couple AB, eh bien, je vais dire qu'il existe trois réels CDE, tels que AB est égal à C1,0 plus D0,1 plus E1,1. Et il suffit de mettre ça en équation. C1,0 plus E. Plus D, pardon, 0, 1 plus E, 1, 1, c'est le vecteur C plus E, D plus E. Bon, je veux que AB soit égal à C plus E, D plus E. Résolvons ce système, on va trouver qu'effectivement, il existe les trois réels CDE. C plus E égale A, D plus E égale B. Donc ça veut dire que C plus E égale A va impliquer que E égale A moins C, alors que D plus E égale B va impliquer que E égale B moins D. Donc A moins C doit être égal à B moins D, ce qui n'est pas du tout incompatible. A moins C égale B moins D, ça va impliquer que, par exemple, en sommant, A plus C est égal à moins D moins B. Donc il suffit de choisir deux réels D et B tels que A plus C égale moins D moins B ou A plus B égale moins D moins C. Oui, voilà, c'est plutôt comme ça. Et à ce moment-là, j'aurais trouvé une combinaison linéaire des trois vecteurs qui est égale au vecteur AB, avec des coefficients CDE non tous nuls. Voilà, donc effectivement, l'espace vectoriel engendré par ces trois vecteurs est le même que l'espace vectoriel engendré par les deux premiers. Et tout ça est lié au fait que le troisième vecteur est déjà une combinaison linéaire des deux premiers. 1, 1 est égal à 1, 0 plus 0, 1. Alors maintenant, on peut aller dans l'autre sens et dire, ben oui, 1, 1 est égal à 1, 0 plus 0, 1. Donc toute combinaison linéaire de ces trois vecteurs est en fait une combinaison linéaire des deux premiers. Parce que effectivement, toute forme
C1,0 plus D0,1 plus E1,1 est en fait égal à C1,0 plus D0,1 plus E fois 1,0 plus 0,1. Donc c'est égal à C plus E fois 1,0 plus D plus E fois 1,1, fois 0,1. Donc c'est une combinaison linéaire de 1,0 et 0,1. Voilà, donc j'arrête là sur cette vidéo avec des raisonnements par la parole, on va dire. Nous découvrirons ce qui est demandé en exercice et nous pourrons travailler plus sereinement là-dessus. Vous aurez évidemment des corrigés d'exercice. Et puis donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions en commentaire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine et de nombreuses prochaines vidéos. À bientôt, au revoir.